sais même pas pourquoi on ne mange pas la bière. La vie n'est pas belle. Hein, serveuse, s'il y a encore des chaises qu'on ajoute, parce que ce soir, moi, je serai accompagnée des bitches, des sugar mamies. J'ai toute une liste de filles. Il y a la petite sœur d'en bas là, celle qui a les petits pieds comme ça, Meka. C'est un pays cher qui doit passer. Il y a aussi la grande sœur d'en haut là, celle qu'on appelle Fafa. Elle doit passer. Même, celle qui est souvent un peu potelée comme ça, elle s'appelle Loris. Loris doit passer. Je ne parle pas du grand final. La tête même de ma liste. Je bois la bonne gorgée. La femme de mon bailleur. Comme depuis là, je la grague, elle fait les niaiseries, elle fait les niaiseries. Je dois chop ça. Et moi, je vais chop ça. Je connais jusqu'à quel niveau je peux poser mon charisme. Quand même. On est numéro un. On est numéro un. On est numéro. Je ne peux pas quand même pisser ici, il y a les enfants qui passent. Faut que je me dirige vers un endroit un peu isolé. Je fais comment? Je fuis? Est-ce qu'elle peut courir? Voilà même encore mon gouverneur de Bayer. Si c'est Gougouma, si c'est Gougouma, tu essaies moi, tu manges, tu dors, tu sais. Tu fais 12 mois, tu ne bois pas, tu ne payes pas les loyers. Mais tu es en train de boire les bières dans les bars. Tu penses que c'est ton baba qui a construit les maisons là? Bah, c'est pour les 12 mois de loyer. Mais il fallait plutôt le dire en venant déjà là-bas en route que 12 mois de loyer, 12 mois de loyer. Je devais déjà comprendre que tu es en train de sonner de la trompette. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut faire très attention avec moi, tu ne me connais pas. Tu sais. J'ai eu une bonne idée. C'est vrai, je vais être humble. C'est vrai. Je n'ai pas pu te payer ton loyer toute l'année passée. Mais en cette nouvelle année, j'ai eu une bonne idée. Que je mette les carreaux sur la véranda de la maison là, non? Là, ce qui fait que les locataires qui vont venir après moi seront dans le luxe. Tu es malade, toi là, tu es malade. Et tu as même eu le courage de draguer mon femme Adja. Hey! Mon femme? Comment la petite sœur la bavarde comme ça, non? Elle était obligée de te dire ça. Et c'est comme ça que tu es les locataires les plus nuisibles qui soient. C'est toi qui dragues les femmes mariées, tu dragues les femmes divorcées, tu dragues les veuves, tu dragues les enfants scolarisés. Laisse-moi confesser mes péchés. Et comment? Et tu as le courage de me menacer? Je vais te casser toi les mains strictes là. Je vais te casser comme des bâtons avec tes pyrrhiques sur les têtes. Tu fais ça à qui? Bah, elle casse. Je dis, vas-y, si t'as mis avec moi, casse. Je te donne 2 jours pour payer mon loyer ou bien je te mets dehors. Tu as compris, non? Comment c'est qui est féro? C'est Wamdi. Comment ça? Tu soulard comme ça. On t'a dit qu'on prend ma bière, on pose. On te pose. Je vais te choisir. Et là, tu bois les bières, ou c'est Gougouma, ou c'est Koukouma. Je crois que c'est avec ça que tu vas m'influencer. C'est même quel genre, c'est pour quel... C'est, je ne sais pas, Dieu, tu connais comment tu fais tes choses. Parce que si le chip me touchait encore pendant 2 minutes, c'est ce que j'allais faire. Est-ce que je suis un petit chip? Jean de Dieu, mon me doit de l'argent.
je fais les business avec Malachi Malaouda. J'ai les relations. Tu connais là où j'ancre? Non. Regarde ses pieds. Vous regardez quoi? Vous n'avez pas votre vie? Hein? Il vient même m'empêcher. Maintenant, si je voulais pisser un litre, je vais devoir pisser deux.